Je vois quelque chose qui me plaît. Je vois quelque chose qui me rappelle Smash 4 surtout. Mais on n'est pas sur ce jeu dur. Ne parle pas de ce jeu. Ne parle pas de ce jeu, ce jeu était nul. Et donc voilà donc la winner finale, Indy sur Terry et Ismaël sur Bayonetta. Bien sûr. Par contre là du coup on peut pas trop dire des trucs parce que lui nous entend. Hein. On peut pas mettre un casque. Ah non, mais t'inquiète, parce que le casque est tout. Je peux pas. Donc Bayonetta, hein, tout le monde connaît ou plutôt. Je sais pas quoi casque quand il y a une Bayonetta, je sais pas quoi dire. Genre ça fait ses moves, tu vois, donc. Ça joue dans son coin, voilà. On peut déjà dire que. Ce n'est pas la Bayonetta de Smash 4. Hein. Oui, c'est sûr. Sinon, il sera encore là-haut. Hein. Mais ce perso, c'est bien devant. J'aime bien. Bah, c'est cool, mais je sais pas quoi dire. Parce que bah, ça joue tout seul d'ailleurs. Ça joue dans son coin, littéralement. Ça a bien son propre jeu. C'est voilà. Ça a son jeu et ça le garde. Bref, nous sommes partis dans cette première game. Le Go est en ligne du côté de Indy. On va essayer de le mettre off-stage, bien sûr, hein. Faut abuser de cette faiblesse de l'haricot. Le witch cam sur le B. On a essayé, hein, malheureusement, ça ne touchera pas. C'est une idée dans le match-up. Bah, c'est clairement pas une mauvaise idée, hein. C'est même plutôt bien. Hein. Ça se voit que ce gars était devant le second européen. Il a des bonnes idées. Et c'est un de S-Row. J'adore ce bruit. Le sound de la S-Row de Bayonetta. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? On va y voir ça. Ce perso tue et ce caster mange, j'ai jamais dit ça. Tu parlais de moi ou de toi? Bah, ah, mais c'est Max. Mais c'est biologique intéressant, il a jamais sorti avec ses livres. Je sais pas, mec, je sais pas ce qu'il raconte, j'ai jamais parlé de perso qui tue. De Bayonetta est un qui bouge, et pendant ce temps, nous avons un Terry qui est tombé dans la last zone du bas. Je pense que c'était une SD. Ouais, je pense également. Non, c'était un spike. J'ai pas vu, de toute façon, j'étais en train de lire le chat. Le spike de Dormer? Non, de Dormer. J'ai loupé un autre smash. Bah apparemment. Honte à moi. Oui. Les mauvais casseurs. Bah oui, j'ai jamais dit que j'étais bon. Hein. Mais c'est bon, sinon je serais pas là. Hein. Enfin arracher cette première stock. Il le fallait, hein, parce que là, c'est toujours un avantage. Ah, ce petit moment gênant où tout le monde se regarde dans les yeux. C'est intéressant. C'est vrai qu'il va essayer de construire. Ah, je pense que Maxime, tu peux regarder. Prolonger solide. Tu peux regarder la rediffusion parce qu'on a clairement pas dit ça. On n'a jamais dit que le perso tuait, on a dit que le perso. Je dis que la Smash avait pris le kill. Ouais, je crois, ou en tout cas. Peut-être que je m'avais dit, je sais pas. L'avenir de me dire. Quoi qu'il arrive, Maxi, ça me tue, non? Voilà, c'est le cas de le dire. 98 points, ça. Tu mens et ton micro est dégueu. Voilà. On essaie de Witch Time le projectile, est-ce que ça peut marcher? Le back air, c'est bon, on s'est trouvé sur ces tricots, il avait analysé. Et on va chercher sur le site de Stéry. C'est un peu moins priorité. Je vais reprendre ceci. Et si j'ai envie de lire le chat? Mais t'as un téléphone, toi? Non, il marche pas! Bah, c'est ton meilleur. Mais c'est pas le téléphone qui marche pas, c'est le réseau. Le mec, il est tout cassé. Ah, fac de science. Fac de science, merde. On respecte le monde. C'est grâce à eux qu'on a des tournois de qualité. Et un setup de stream qui nous manquait tant à Nancy, hein, quand même, faut le dire, à l'époque du Warcraft. Je n'ai pas connu cette époque, donc. Honte à toi. Ouais. J'étais pas là, mais j'étais sur Paris. Parisien. C'est vrai que la foutre. Et bien sûr, donc on prend les mêmes et on recommence. Terry, Bayonetta, PS2. Pourquoi changer une formule? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je baisse la caméra? Oui. D'accord. Sans la faire tomber, bien sûr. J'ai envie de la faire tomber. En plus. Perfect. Le pari sur le. On verra tout à l'heure. Ismaël ici prend un petit peu l'avantage. Attention à ne pas se faire reverse. Ça y est. Donc je vais essayer de mettre quand même le chat, mine de rien. Si le jab jab pouvoir d'œil qui ne tuera pas encore. Oh ok. Bayonetta qui tente de trouver des chemins. Est-ce qu'on peut encore Rico? Bien sûr. Ouh là là, ah, là mais le son vient du projecteur. Eh oui. Mais c'est fou la révolution. Sinon, il me dit qui a le lead et qui a le go aussi. Ou attention le witch time sur le up smash. Le gros point qui sort du sol. Pour j'adore l'effet que t'as donné à ta voix, mec, juste pour dire ça. Tu repars dans le ciel, c'est moi qui le lift sous le up smash. J'ai witch time tout de là. Ma parole. Again. Et le bat moving, je sais pas comment ça se dit, de Bayonetta. Une chauve-souris. Tu me disais ce que c'est. Je connais pas ce personnage. Tu ne le connais pas, en fait. C'est bizarre ce personnage. Ça ressemble à la Foresight de l'Ultra.
C'est si Beta se fait hard dodge ou se fait taper juste avant une roll ou quelque chose comme ça, en fait, ça va, elle va prendre la moitié des dégâts, mais ne sera pas touchée et réapparaîtra là où elle veut, une petite, avec une petite réaction sur le stick. Intéressant. C'est un bonus. C'est pas le force sec, mais on prend quand même sur un perso. On a tenté le 7B du côté. Enfin, non, pas le 7B. Ouais, il s'est retrouvé. Le Buster Wolf, bien sûr. Le Buster Wolf. Qui va prendre ses stocks assez largement. Assez largement. Même avec la DI, je pense que. Voilà, le. Ouf, malheureusement, ça ne finira pas le travail. Un peu triste pas. Du côté de cette Bayonetta. J'aurais bien voulu voir du cassage de bouche en règle. Malheureusement, on ne finira pas ce move. Je sais pas quoi dire sur ce personnage. Vraiment, c'est. Encore. Ok, je crois que j'ai le chat. Je suis pas sûr. Il y a le chat, mais. Ah, pas la vidéo. C'est bien d'avoir le chat. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est le chat, mec. Je m'en fous de la vidéo. Les casseurs, ils sont nuls. Le jab qui va tuer, et oui. Chat. Pam, pam, pam. Le jab est cool. En tout cas. Mais c'est une tête de mort qui. La tête balance des crânes, en fait, dans la tête. Ça fait mal. Sympa, la régie qui écrit sur le tableau qu'on est des casteurs nuls. Elle n'a pas forcément dit nous. Si, si. Non, elle n'a pas dit. Oui, le mec avait clairement une flèche qui nous indiquait. En tout cas, et c'est donc il y a solide dans ce match. Ismaël qui est déjà, attention, à 110%. Et ce temps de tilt Burning Knuckle qui viendra prendre la stock directement. Effectivement, un partout hein, du côté des joueurs français. Qui a réussi à égaliser 1-1 dans ce BO. Va-t-on changer sa Bayonetta? Non. Très bien. Ça donc on demande au joueur. Ah bah écoute, il est à ma droite, il n'y a pas de casque, je lui demande. Hein. On a rien à foutre. On repart sur une Bayonetta. Est-ce qu'on n'a pas envie de taper Terry avec autre chose? Ce que je peux comprendre. Donc nous sommes repartis dans ce set. 1-1, donc Indy qui a su trouver ses ressources pour égaliser. Donc à voir s'il pourra continuer dans ce game ou si Smell va enfin s'adapter. Oh, nice. C'est un Witch Time qui va se trouver directement. Witch Time qui devait être assez serré, je crois, quand même, mine de rien. Alors c'est plus on l'utilise, moins la fenêtre de l'activation est. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'était pris un coup juste avant, il était en train de redescendre sur la plateforme. Ça a pas dû se jouer à grand chose pour pouvoir l'activer. C'est vrai. Pour le coup, on est à 90, on est à 106% du côté du joueur français, du Terry, ce qui va permettre de débloquer le go. Allez, malheureusement, on a tiré sur les pigeons. Oh là là, et oui, ça shield break, bien sûr. Ah, ça ne mâche pas du côté de. C'est mâché, c'est pour les faibles, de toute façon, on n'a pas besoin de ça du côté des mains. On va continuer à aller travailler au corps ce Terry. On mettra et un voilà. Magnifique. C'est un backer, ça? C'est un backer, mais il a save backer juste pour se retrouver dans le dos. C'est deux très bien joué, hein. Faut dire les termes, le move était intéressant, le move était joli, le move était classieux, il était fringant. Je n'arrive toujours pas à voir le chat convenablement, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on continue les magnifiques combos. Quoi ? Il y a juste le message. Oui, non, mais. Le chat qui est donc endormi dans cette winner finale, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. On a le public qu'on mérite après, hein ? Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que j'arrête pas d'avoir bien vu sur le chat de Helios Gaming FR dans mon chat. Donc ça veut dire que mon téléphone n'arrête pas de se reconnecter. Ce qui est chiant. Attention, là on va commencer à faire des petits inputs du côté de Indy. On va pas tenter de chercher avec une deuxième fois. C'est normal, c'est un peu gourmand. Hein. On passe juste au-dessus de ses balles. Le perfect pari. Non, on continuera pas sur Ismaël. Je ne te laisserai pas admirer. Il y a cette astro qui ne tuera pas encore. Attention, petite boule. Petite balle, bien sûr. Attention, petite boule. C'est un problème comme un autre après, oui, tu sais, ça arrive. À attention, le truc qui est avec la balance là. Voilà, oui, ces petits trucs. En attendant, 174 du côté du Terry, on a la rage, plus le go, qui peut faire très très mal, 102% du côté de la Bayonetta. On va mourir à tout instant, il se suffit d'un quelques pourcents en plus, hein, vraiment. Hein. Ouais, vraiment, genre le down tilt into forward, qui va toucher. Je pète le front. Ah, pas mal. Très intelligent de côté d'Isma, on a un peu delay les trois coups de son père pour amener un peu plus Indy sur le côté pour que ça tue. Vraiment bien joué. C'est vrai que pour le coup, on joue bien du côté d'Ismaël et ça se comprend. C'était un signe de main ça, Batou, ou c'était juste que t'avais besoin de te faire craigner que ton panier? Non, d'accord. Non, parce que j'ai dit ça joue bien du côté d'Ismaël, t'avais un truc avec ta main en mode bof.
Je me suis dit, merde, il est en train de punt. Bien sûr que non. Jamais ça. Ouais, personne n'oserait. Personne n'oserait, voyons, ça serait pas digne de caster. Ah, attention, viendra Erdon. L'immense power dunk, malheureusement pour Ismaël. C'est des choses qui arrivent. Dommage. C'est pas de chance. On passera plus tôt. Hop, trop. Une dent. Bien joué. Je ne. Je te connaissais. Bien joué. De 1 pour notre cher Ismaël. C'est la surprise. Bah, je pense qu'on était aussi surpris que Mehdi sur ce move. Cette fois-ci, je ne demanderai pas, je sais qu'il va rester sur Bayonetta. À moins qu'il veuille me contredire. Bon. Très bien, on restera sur Bayonetta. C'est intéressant. Je n'ai plus de batterie. Il y a toujours un problème. Ouais, il y a toujours un problème, mec. C'est pas possible. Je suis désolé. On va arrêter le stream. Hein. Bah ouais. Bah, salut les gars. Bien sûr que non. Ah, du côté d'Indy, en tout cas, on repart sur Terry. Quoi qu'il se passe, Hong. On nous informe pour l'instant que du côté de la demi, du quart de finale loser, ouais. Le premier, Haddock a gagné 3-0 contre Batsu. Et ça me fait plaisir. Ça me fait... ouais. Ouais. Bah en fait, quand tu perds contre des gens, t'aimes bien qu'ils aillent haut dans le bracket pour ouais, dire... Ouais, ouais. Je perds bah, comme la dernière fois, vous avez perdu contre Syl et qu'il avait fait sa meilleure run. Je me souviens. Tu peux en être fier. Ah, là, je me suis dit, bon, ok, c'est cool, il a bien joué. Par contre, quand j'ai perdu contre lui à l'arcade, là, c'est juste que j'étais éclaté ma grande race. Et du coup, est-ce que Adenine... Adenine Roy, ouais. On attendra le résultat pour l'instant. Le Witch Time qui était trouvé sur la Rico. On a enfin vu trouver ce qu'on voulait faire depuis le début du set. 1, 2, 3, bien et joué. Tu pars dans la Blast Zone, bien sûr. Et que non, merde. C'est... Roy, c'est chaud, hein. Nous sommes un petit peu. Et toi, alors moi, je casse. Ça se rend coup pour coup. Ouais, pour le coup, ouais, c'est, les matchs sont tendus. C'est vrai que du côté des deux joueurs en stream, on essaye de ne pas craquer, hein, mais c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, ça soupire, mais ça se comprend. Le match est tendu. Il s'agirait d'arrêter de se prendre des combos dans la gueule. Le battle shield de Benetta. Ou attention, okay. Est-ce qu'on arrivera à prendre ça? Non, c'est pas grave. Pas grave, on a le go du côté le de go Terry. Le go ce crack ah, mais... qui va être perfect. Mais les paris de Ismaël sont incroyables. Les paris de Ismaël. On a fait assez. La F-Stroke ne tuera pas encore, non. Logiquement, non, mais il devrait... On est lourd du côté de Terry, on est lourd. On est gros, on a bien mangé à la cantine. Cette expression que tout le monde dit. Bah, il faut dire qu'il a bien mangé à la cantine. C'est vrai. Ok. Petit beach time, on ne fera rien, mais... Il dit retour sur les shraps, cette F-Stroke qui va, ça y est. Hey, c'est une escroc qui tue. Ouais, c'est une J'aimerais bien avoir une escroc qui tue sur mon personnage. Ouais, moi aussi. Mais toi, t'as une escroc qui tue. Oui, bah, je tue à 180%, calme-toi. Bah, c'est des sur avec des plateformes, je tue beaucoup plutôt. Oui, avec des plateformes. Bref. En attendant, ce qui nous intéresse, c'est le match qui se passe à notre écran. Il n'est pas content de sa performance, malheureusement. Une stock de retard. On est en winner bracket. Oui, on essaie, oui, c'est okay. La finale. Même si pour l'instant on perd du côté des deux joueurs, on les retrouvera plus tard, logiquement, si tout se passe bien. Ismaël qui va essayer d'enfoncer le clou ici, voilà, encore un pari, mais qui peut le stopper en fait. J'aimerais bien que ce soit le gars qui soit allégrant. Après, voilà. On va trouver un MP, attention, c'est l'escorte, ça ne tuera pas encore. Ça ne tuera pas encore, mais on a 128% du côté d'Ismaël, on n'aura pas trop bougé, toujours 116. On va finir par mourir, je pense, là-dessus. Ouais, malheureusement, non. Ah non, il a bien mangé la partie. C'est un job. Il y avait beaucoup de rage. On tente de ricolo. Malheureusement, c'est la victoire du côté de Isma. Ismaël. On partira en loser bracket du côté d'Indy. On le retrouvera certainement plus tard. En attendant, bien joué.